is an honor for us to be able to welcome with us tonight Father Jacques Philippe and Sister Claire. They are the community of the Beatitudes, and it's a great joy to be able to have Father. I want to personally thank him. His book on Saint Therese of Lisieux and trust in God changed my life in many ways at a very difficult and challenging time when it was given to me. So I want to thank Saint Therese of Lisieux particularly, and Father, for bringing her writings and work particularly to my heart. But Father is from France. Was born in 1947 and was ordained a priest for the Communion of the Beatitudes in 1985, correct? And he has had the joy of being able to study both in his native France, in the Holy Land, and in Rome. Father is a gifted writer. All of you, or many of you, have his books in your hands, which has made the gospel so accessible to so many today. And he is, of course, he gives retreats all around the world. He's been in the U.S. now since January, right? Have you been? So Father has been giving talks and speaking around the country, and now we are overjoyed to be able to welcome him and sister into our midst. So let's welcome, remembering always that we are in the presence of our Lord, but also celebrating that now we are able to hear more deeply the gospel through Father. And so let's welcome him. Thank you for your presence. I speak English, but not very well, so it's better for me and for you. I will speak French and sister will translate. Voilà, je viens de France. I come from France. J'ai pris pour me traduire quelqu'un qui habite tout près de chez moi. And so for my translator, I chose somebody who lives very close to where I live. En Nouvelle-Zélande. In New Zealand. Avant de commencer, nous allons nous confier au Seigneur. Before we begin, we will entrust ourselves to the Lord. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Lord, we want to give you thanks. Parce que tu es au milieu de nous. Because you are in our midst. Mais tu es notre Père. You are our Father. Tu es notre bon berger. You are our good shepherd. Et tu veux nous donner des bonnes choses, Seigneur. And you want to give good things to us, Lord. Nous voulons te rendre grâce et... And we want to give you thanks. Et ouvrir notre cœur à ta présence. And to open our hearts to your presence. Et nous voulons nous confier spécialement à la Vierge Marie. And we especially want to entrust ourselves to the Virgin Mary. Qu'elle puisse nous aider à accueillir ta parole. That she help us to receive your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Alors, donc le sujet sur lequel on m'a demandé de vous parler, c'est de parler donc de la paix du cœur. Donc vous savez que j'ai écrit un livre là-dessus. You know perhaps that I wrote a book on this subject. Alors je ne vais pas faire un résumé du livre. So I don't want to just give you a summary of the book. Mais je voudrais vous partager quelques réflexions. But I would just like to share with you some of my reflections. Et puis surtout, ce qu'on va demander ensemble. And above all, what we're asked to do together. Mais que le Seigneur puisse nous visiter pendant ce temps de carême. What we're going to ask is that the Lord would come to visit us during this time of Lent. Et qu'il puisse nous donner sa paix de manière plus profonde. That he would give us his peace in a deeper way. Je vais un petit peu expliquer pourquoi c'est important. And I want to explain why this is important. Donc, je voudrais commencer par simplement un verset de Saint Paul. And I just want to begin with a simple verse taken from Saint Paul. Dans la lettre de Paul aux Colossiens. Which is found in the letter of Saint Paul to the Colossians. Au chapitre 3, verset 15.
which is found in chapter 3, verse 15. Donc voilà ce que dit Paul. So this is what Paul says. And may the peace of Christ reign in your hearts, because it is for this that you were called together in one body. Et donc, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. May the peace of Christ reign in your hearts. Parce que vous avez été appelés à cela. Because you have been called to this. Je crois qu'il y a une idée qui est assez intéressante, vous voyez. I think in this there is an idea that is interesting. C'est peut-être bien d'en avoir conscience, oui. And it's perhaps good that we be aware of this. Je sais qu'il y a vraiment comme un appel de Dieu. There, in this there is like a call from God. Il y a un appel de l'Esprit Saint. A call from the Holy Spirit. À recevoir la paix de Dieu. To receive the peace of God. Dans notre cœur. In our heart. Oui, cette paix, c'est un don de Dieu. This peace is a gift from God. On en parlera. And we will speak about this. C'est aussi quelque chose qui dépend de notre responsabilité. But it's also something that requires our own responsibility. Oui, un don que nous devons garder, approfondir. It's a gift that we have to keep and to deepen. Et je pense que quand cela se réalise, and I think that when this is realized, quand la paix de Dieu habite vraiment notre cœur, and that when the peace of Christ truly inhabits our heart, je crois que c'est une grande grâce. I believe it's a very great grace. Ça nous donne beaucoup de liberté. It gives us a lot of freedom dans notre vie. In our life. Alors, on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite. It's not always possible for us to be in a state of perfect peace. Parfois, nous vivons des combats et c'est normal. Sometimes we go through struggles and this is normal. C'est nécessaire aussi pour notre croissance spirituelle. And this is also necessary for our spiritual growth. Et parfois, nous vivons certaines tempêtes intérieures. Sometimes we can go through real inner storms. Bon, qui finissent par se calmer. Which will end up being calm. Comme cette tempête qu'ont connu les disciples sur le lac de Galilée. Like that storm that the disciples went through on the lake of Galilee. Ils étaient très inquiets. They were all anxious. Seigneur, nous allons sombrer. Lord, we're going to go down. Puis Jésus dormait. And Jesus was there asleep. Comme un enfant, oui. He was like a child. Alors les disciples ont été réveillés, Seigneur, sauve-nous. And so the disciples went to wake him up and said, Lord, save us. Puis donc il a calmé la mer et le vent. So he stilled the seas and the wind. Et puis surtout il a calmé le cœur des disciples. And above all, he stilled and calmed the hearts of his disciples. Ce qui était peut-être encore plus important. Which was perhaps even more important. Et je crois que parfois nous devons demander cette grâce au Seigneur, oui. And sometimes I think we should ask for this grace from the Lord. Bon, c'est inévitable de passer par certaines tempêtes. It's inevitable that we should go through storms. Mais il faut demander à Jésus de nous redonner cette paix. But we should ask Jesus to give us back that peace. Alors pourquoi est-ce que c'est important? And why is this so important? Oui, c'est pas simplement une question de confort psychologique. It's not just for a question of psychological comfort. Oui, aujourd'hui tout le monde cherche la sérénité. Today everyone's seeking a kind of serenity. On trouve ça sur toutes les boîtes de tisane. And you can find it on any kind of box of herbal tea. Il y a dans les prospectus des agences de voyage. Or even in the kind of catalogs for those, you know, in travel agents, you can see all those beautiful catalogs. Il y a quelques années, j'étais dans un avion d'Air France. J'étais dans un avion d'Air France. A few years ago, I was on an Air France flight. Et puis je regardais le magazine. And I was looking at the in-flight magazine. Il y avait tout un article. And in it, there was this article. Mais comment trouver la sérénité? About how we can find serenity. Il y a eu trois propositions différentes. And so they proposed three different things. Aller dans l'Himalaya. Go to the Himalayas. Allez, on... confie à un gourou, and entrust yourself to a guru, qui va vous faire réciter des mantras, who will help you to recite mantras. La seconde proposition, the second idea, proposition, c'était une île merveilleuse du Pacifique, was a beautiful Pacific island, paradise, avec des spas et des massages, where there were spas and massage parlors. La troisième proposition, and the third proposition, c'était d'aller en Patagonie, was to go to Patagonia, dans des sources chaudes. Where there are hot pools. Et puis on vous met sur la poitrine des pierres. And they would put stones on you. Qui ont une vertu relaxante. Chest. Des pierres relaxantes. And these stones were designed to relax you. Alors c'était très très intéressant. So this is all very interesting. Alors ce qui était commun à toutes ces propositions.
And the one thing, what the one common thread going through all of these propositions, c'était le prix, 10 000 dollars. Was the same price, $10,000. Bon, ce soir, ce sera gratuit. Tonight, it's going to be free. Bon. Oui, alors pourquoi c'est important? But why is this important? Oui, c'est pas simplement chercher une tranquillité, vous voyez. It's not just about finding some kind of tranquility. Mais c'est comprendre une dimension importante de la vie spirituelle. But it's to understand an important dimension in spiritual life. C'est que quand notre cœur reçoit la paix de Dieu. And that is that when our heart receives the peace of God. Quand nous essayons de la conserver. And that we try to keep hold of that peace. Et je crois que c'est ça que le Seigneur nous invite. I think this is what the Lord is inviting us to. Même si tu vis parfois des moments difficiles. And even if you go through some difficult moments, essaye de garder dans ton cœur un espace de paix, a little space of peace, un espace de confiance, a space of trust. Alors, comment je dirai un petit peu après, tout à l'heure. And how we can do this, I will speak a little of later. Oui, mais c'est important parce que cet espace de paix dans notre cœur, but this is important because that little space of peace in our heart, oui, il nous rend plus libres, makes us more free, et plus ouverts aux autres, more open to others, et plus ouverts à Dieu aussi. And also more open to God. Oui, Dieu peut nous parler. God can speak to us. Oui, il peut nous conduire. He can lead us. Oui, nous pouvons entendre la voix de l'Esprit Saint. We can hear the voice of the Holy Spirit. Et Dieu peut travailler dans notre cœur. And God can work in our heart. Mais si trop facilement on s'inquiète. But if too easily we become anxious. Si on se trouble toujours pour des petites choses. If we are troubled just for little things. Eh bien, il y a un certain risque. Then there is a certain risk. C'est un petit peu de se fermer à Dieu, oui. And that is that we become somewhat closed to God. Oui, on est tellement pris par nos pensées. We're so caught up in our own thoughts. Par certaines inquiétudes. By our anxieties. Et qu'on n'est pas tout à fait ouvert à Dieu. That we're not quite really open to God. Au contraire, garder cet espace de paix en nous. But on the contrary, if we keep that little space of peace in us, il nous permet d'être ouvert au travail de l'Esprit Saint. This enables us to be open to the work of the Holy Spirit. Oui, et Dieu ne demande pas d'être absolument parfait. And God does not ask us to be absolutely perfect. Ça prend du temps. This is something that takes time. Il ne demande pas de résoudre tous les problèmes. And he doesn't ask us to resolve every problem. Il nous demande d'abord de lui faire confiance. He asks of us first of all to trust him. Et donc de rester paisible autant que possible. Oui. And as far as possible to remain peaceful. Et donc ces efforts que nous faisons pour rester paisible et tranquille. And so these efforts that we make to remain peaceful and still. Oui, il nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint. Open us up to the action of the Holy Spirit. Il nous rend plus capable d'écouter la parole de Dieu. And make us more capable of listening to the word of God. C'est pour ça que c'est important. And that is why it is so important. Il y a un grand saint de l'Église russe, Saint Séraphim de Sarov. There is a great saint of the Russian Church, Saint Seraphim of Sarov. Qui disait la chose suivante. Who said this? Acquiert la paix intérieure. Acquire inner peace. Et une multitude trouvera le salut auprès de toi. And a multitude of others will find salvation with you. Mais plus nous sommes dans la paix de Dieu, the more we are in that peace of God, mais plus nous pourrons porter de fruits, the more we will be able to bear fruit, mais plus nous pourrons grandir dans l'amour et dans la charité. And the more we will grow in love and in charity. Puis je voudrais vous lire aussi une petite phrase beaucoup plus récente. I would also like to quote to you a little sentence that is written much more recently. Donc c'est une jeune femme juive. By a young Jewish woman. Qui s'appelle Etty Hilsum. Whose name is Etty Hilsum. Donc qui est morte à Auschwitz en 43. Who died in Auschwitz in 1943. Mais donc elle a vécu le temps de la persécution des nazis en Hollande. So she lived through that time of the Nazi persecution in Holland. Qui était un moment extrêmement difficile, évidemment. Which obviously was an extremely difficult moment. Mais ce qui est très très beau dans ce témoignage. But what is very beautiful in her testimony. C'est qu'elle a rencontré Dieu. Is that she encountered God. Elle a découvert la prière. She discovered prayer. Elle a appris à se mettre à genoux. And she learned to get down on her knees. Ce qui n'a pas été facile pour elle, parce que. Which was not something that was easy for her. Il y a un certain orgueil, vous voyez. Because she had a certain pride. Et elle a appris à se mettre à genoux. But she learned to get down on her knees. Elle a appris à prier. And she learned to pray. Et puis elle a découvert peu à peu. And she discovered little by little. Que dans cette relation avec Dieu. That in that relationship with God. Elle n'est jamais devenue chrétienne. And she never became Christian. Mais elle a beaucoup lu l'Évangile. But she read the Gospels. Que dans cette relation avec Dieu. And in that relationship with God. Elle trouvait dans son cœur. She found in her heart. Un espace de liberté. A space, an area of freedom. Très beau, vous voyez.
something that was very beautiful. Oui, que personne ne pouvait démolir. That no one was able to demolish. Même si la situation extérieure était difficile. Even if the external situation was extremely difficult. Et donc c'est un très beau témoignage. And so she gives a very beautiful testimony. Et voilà ce qu'elle dit dans son journal. And this is what she writes in her diary. Ultimately, we have just one moral duty: to reclaim large areas of peace in ourselves, more and more peace, and to reflect it towards others. And the more peace there is in us, the more peace there will also be in our troubled world. Je pense qu'il y a une chose très juste dans ce qu'elle dit, voyez. I think there is something very right in what she says. Ça peut sembler un peu exagéré, mais this might seem somewhat exaggerated. Dit, notre premier devoir moral, but to say that our first moral duty, oui, c'est de créer en nous un espace de paix, is to create within us a space of peace. Une paix qui s'étend de plus en plus. A peace that spreads more and more. Et que nous pouvons communiquer aux autres. And that we can communicate to others. Mais ça me paraît très juste. This seems right to me. C'est tout à fait en harmonie avec l'Évangile. And it's quite in harmony with the gospel. Et je crois que c'est important aujourd'hui. And I think this is something that is important today. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de peur. We are in a world where there are a lot of fears. Oui, beaucoup d'inquiétudes. A lot of anxiety. Et je pense que nous chrétiens en particulier. And I think that we Christians in particular. Je dirais que nous avons un devoir. We have a duty. D'accueillir la paix de Dieu. To welcome the peace of God. D'être en paix. And to be in peace. Et une paix que nous pouvons communiquer. And a peace that we can communicate. Parce que quand l'homme perd la paix de son cœur. Because when a person loses peace in their own heart. Quand il est pris par la peur. When they're caught up in fears. Et quand il est saisi par l'inquiétude. When they're in the grip of anxiety. Eh bien, souvent on a de mauvaises réactions. Very often they will have bad reactions. Et on se ferme. They become closed. On devient agressif. They become aggressive. Et on cherche des coupables à nos problèmes. And they're always looking for someone to blame for their problems. Et ça peut devenir parfois dramatique. And sometimes this can be something very dramatic. Au contraire, quand le cœur de l'homme est en paix, voyez. But on the contrary, when a person's heart is at peace. Oui, ça veut pas dire que je suis un Superman, voyez. It doesn't mean that they suddenly become some kind of Superman. Mais il y a cette paix de Jésus dans mon cœur. But if I have that peace of Jesus in my heart. Eh bien, ça va m'aider à trouver des bonnes réponses. Voyez. This will help me to find the right responses. Oui, face aux défis du monde d'aujourd'hui. And when faced with today's challenges. Et puis il y en a beaucoup, hein. And there are a lot of them. Je ne vais pas en faire la liste. I don't want to write a whole list. Il y a un grand défi aujourd'hui. But there's a real challenge today. Qui ne sont pas faciles. Which is not easy. Mais c'est une grâce, voyez. But it is a grace. Ça nous oblige à grandir. Because it obliges us to grow. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mener une vie superficielle. Today, it's not possible to live a superficial life. Alors on va couler très vite. Because we will go down very quickly. Je dirais, nous sommes comme obligés. And we're like obliged. Et de vivre vraiment une vie profonde. To live a life that is profound, deep. Pas simplement de surfer, voyez. Not just to surf on the surface. Mais d'aller en profondeur. But to go down into et dans la rencontre avec Dieu, dans ce qui est vraiment le sens de la vie, dans l'accueil de l'Évangile, je pense que c'est une grâce. C'est un défi. It's a challenge, mais c'est une grâce aussi. But it's also a grace. Je crois que nous avons une responsabilité par rapport à nos frères et sœurs. And I think we also have a certain responsibility with regard to others. Mais donc d'accueillir la paix de Dieu. To welcome that peace of God. Et de la communiquer. And then to communicate it. Vous savez, parfois quand on rencontre des personnes. You know that sometimes when we meet people. Parfois on rencontre des personnes. It happens that we can meet people. Mais qui communiquent la paix. Who communicate peace. Qui communiquent l'espérance. Who communicate hope. Qui communiquent la confiance. Who communicate trust. C'est très beau, oui. And this is very beautiful. La bonne odeur du Christ. It's like that good perfume of Christ. Il y a aussi d'autres personnes. And there are also other people. Qui communiquent des peurs. Who communicate their fears. Qui communiquent leurs angoisses à tout le monde. Who communicate their own anguish to everybody else. Bon, on peut pas les juger. Hein. Obviously, we cannot judge them. Bon, il faut prier pour elles. But we should pray for them. Mais demandons cette grâce. And ask for that grace. Oui, de faire partie de ces personnes. To be counted amongst those people. Oui, qui vivent l'Évangile. Who live the gospel. Qui sont attachés au Christ. Who are attached to Christ. Hein, qui prient. Who pray. Et grâce à cela, peuvent trouver la paix. And who thanks to this are able to find peace. Ils peuvent la communiquer aussi. And be able to communicate it also. Je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important.
I think that today this is extremely important. Peut-être plus qu'à d'autres époques de l'histoire. And perhaps even more so than at any other time in history. Mais en même temps, Dieu est fidèle, voyez. But at the same time, God is faithful. Et Père Jacques nous a rappelé que quand on prie Dieu, Père James nous a rappelé que quand on prie Dieu, and Father James reminds us that when we pray to God, Dieu nous donne des bonnes choses. God gives us good things. Et je pense qu'une des meilleures choses que Dieu peut nous donner, and I think that one of the goodest, most good of those good things that God can give us, the best thing, il faut la demander, and we should ask for this, eh bien, c'est cette paix, voyez. Is that peace. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris comme résolution de carême. I don't know what kind of Lenten resolutions you have made. Je veux pas tout changer dans vos décisions. And I don't want you to all change the decisions that you've made. Que chacun fasse ce que l'Esprit Saint lui demande. Let each one do what the Holy Spirit asks of them. Mais ça peut être une très très bonne décision, voyez. But it could be a very good decision to make. Et bien, je vais essayer pendant ce carême. To say that during this Lent, je vais essayer d'être plus paisible. I am going to try to be more peaceful. Plus tranquille. More still. Mais de moins m'inquiéter. And to be less anxious. De faire davantage confiance à Dieu. And to trust God more. Et ça peut être une très bonne chose. Bon. This could be a very good thing to do. Enfin, faites ce que Dieu vous inspire. But anyway, do what God inspires you to do. Puis, une autre raison pour laquelle c'est important aussi. Another reason why it is important too. C'est que c'est seulement dans ce climat de paix. Is that it is only in that climate of peace. Que nous avons un bon discernement. That we can make a good discernment. Que nous voyons clair. That we can see clearly. Sur les situations. Regarding the different situations. Et sur les décisions à prendre. And also regarding the decisions we have to make. Il y a un des grands maîtres de la vie spirituelle. One of the great masters of the spiritual life. Saint Ignace de Loyola. Was Saint Ignatius of Loyola. Oui, il rappelle la chose suivante. And he reminds us of the following point. Il dit que dans la vie spirituelle. He says that in the spiritual life. Il y a des moments de paix, de consolation. There are moments of peace and of consolation. Bon, il y a aussi des moments de combat, de désolation. There are also moments of struggle and of desolation. Bon, ce qui est normal. And this is normal. Mais il dit, mais quand tu vis ces moments de combat, de difficulté, but he says that when you are going through one of those moments of struggle or of difficulty, quand tu es dans la tempête ou dans le trouble, when you are in the middle of a storm or in trouble, ne change pas tes décisions. Do not change your decisions at that moment. Sois fidèle à ce que tu avais décidé avant. Be faithful to what you decided before. Et attends que la paix revienne. And wait for peace to return. Mais ne prends pas de décision précipitée. But don't rush into any other decisions. Mais ce qui est parfois une tentation. Because this can sometimes be a temptation. Oui, que le démon peut utiliser. Oui. That the evil one can use. Oui, parfois je vis un moment de tempête. At a moment I might be going through a big storm, a moment of difficulty. Je m'inquiète beaucoup pour cette chose. And I could be very anxious about a particular thing. J'ai l'impression que j'ai tout raté. Or perhaps I have the impression that I've failed in everything. On peut avoir mille pensées négatives. We can have thousands of negative thoughts. Et parfois on peut les suivre. And there are times when we follow those thoughts, that train of thought. Et on prend de mauvaises décisions. Oui, and if we do that, we make bad decisions. On remet tout en question dans notre vie parfois. We can suddenly start questioning everything in our life. Donc il faut attendre que la paix revienne. So we should wait for that peace to return. Oui, et là on voit ce qu'il faut faire. And then we will see what we should do. Parce que c'est seulement dans ce climat de paix peace, que le regard que nous avons sur la réalité, reality, sur la vie, life, sur mon avenir, future, sur moi-même, sur les autres, others, oui, c'est là qu'il est juste. Oui. Only then will this be the right way of seeing. Et dans l'agitation, le trouble, when we are agitated or troubled, dans la colère ou dans la peur, when we are in anger or in fear, notre évaluation des choses, the way we evaluate things, oui, est déformée, distorted, mais pas par nos émotions, by our emotions. Bon, ça arrive, c'est normal. And this happens to us all, it's normal. Mais il faut être prudent. But donc, we have to be prudent. Et donc ne pas changer précipitamment notre manière de vivre. And not suddenly decide to change our way of life. C'est dans la paix qu'on a un bon discernement. It's only in peace that we have good discernment. Alors, donc une chose qui est très belle dans l'Écriture, something that is very beautiful in the scriptures, c'est que cette paix nous est aussi promise comme un don de Dieu. Is that this peace is promised to us as a gift from God. Alors, bien sûr, ça suppose un certain travail personnel aussi. Of course, that supposes that there is a certain interior work
a personal work that takes place too. Mais je crois que d'abord c'est un don de Dieu. But I think that firstly it is a gift from God. Et qu'il nous faut demander et recevoir. That we need to ask for and receive. Et vous savez qu'il y a de très beaux passages dans l'Écriture à ce sujet. There are very beautiful passages in the Scriptures that speak of this. Oui, en particulier de manière assez frappante dans l'Évangile de Saint Jean. And in a very special way. In the Gospel of Saint John. Vous savez que donc dans l'Évangile de Saint Jean, il y a le discours de Jésus après la scène. In the Gospel of John, there's that whole discourse of Jesus after the Last Supper. Et après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples. After he washes his disciples' feet. Où il y a un long dialogue de Jésus avec les disciples. There is a long dialogue between Jesus and his disciples. Où Jésus parle très très longuement. Where Jesus speaks at length. Lui, c'est un peu son testament spirituel. We could say it's like his spiritual testament. Et donc il y a très très belles choses dans ce discours après la scène. So there are very beautiful things to be found in this discourse after the supper. Oui, la parabole de la vigne et des sarments. Is the parable of the vine and the branches. Et l'annonce de la venue de l'Esprit Saint. There's the where Jesus announces the coming of the Holy Spirit. Et le nouveau commandement de l'amour. There's the new commandment of love. Donc c'est un texte qui est très très riche, hein, bien sûr. So it's a text that is very rich. Mais c'est intéressant de remarquer que ce thème de la paix. And it's interesting to note that this theme of peace. Il est très très présent dans les paroles de Jésus. It's very present in the words of Jesus. À certains moments. Oui. At a certain point. Au début du chapitre 14, par exemple. For example, at the beginning of chapter 14. Voilà ce que dit Jésus aux disciples. This is what Jesus says to his disciples. Do not let your hearts be troubled. You trust in God. Trust also in me. Et que votre cœur ne se trouble pas. Let your hearts not be troubled. Et il faut entendre cette parole aujourd'hui pour nous aussi. And we need to hear this word today too for us. Alors pour les disciples, on comprend. For those disciples, we can understand that he said this. Jésus venait d'annoncer le reniement de Pierre. Jesus had just told Peter that he would deny him. Et puis aussi, les disciples étaient tous inquiets, évidemment. And of course, the disciples were all feeling anxious. Ils savaient que la mort de Jésus était décidée. They knew that the death of Jesus had already been decided. Ils se demandaient qu'est-ce que nous on va devenir. And they were asking themselves what was going to become of them. Donc on comprend que leurs pensées n'étaient pas très positives à ce moment-là. So we can understand that their thoughts were not exactly too positive at that time. Et donc avant que Jésus commence à leur dire tout ce qu'il avait à leur dire. So before Jesus starts to speak to them of what he wanted to tell them. Il leur dit cela, que votre cœur ne se trouble pas. He says this to them, let your hearts not be troubled. Ayez confiance en Dieu. Trust in God. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi aussi. Trust in God and trust also in me. Et on comprend pourquoi Jésus a dit ça au début. And we can understand why Jesus says this to them at the beginning. Et bien c'est pour qu'ils l'écoutent. It's in order to enable them to be able to listen to what he's saying. Parce qu'ils sont tellement, ils risquaient d'être tellement pris par leurs pensées. Because they ran the risk of being so caught up in their own thoughts. Leur peur de ce qui risquait d'arriver. Their fear of what they thought would was going to happen. Mais qu'ils n'auraient pas été très disponibles. They wouldn't really have been able to be attentive. Oui, pour entendre Jésus leur parler. To hear what Jesus was saying to them. Qu'il y avait des choses très importantes à leur dire. And he had important things to say to them. Donc il les invite à être en paix. So he invites them to be at peace. Et puis un peu plus loin, donc dans le même chapitre 14. And a little bit further in that same chapter 14. Au verset 27. Verse 27. Donc il y a ces paroles très belles qu'on rappelle à l'Eucharistie. There are these very beautiful words that remind us that recall the Eucharist. Oui, après le Notre Père. That after the Our Father. On demande cette paix de Dieu. We ask for the peace of God. Puis donc il y a une allusion aux paroles de Jésus. And there is an allusion to the words of Jesus. Oui, cette promesse qu'il a faite. And that promise that he made. Peace I bequeath you, my own peace I give you. A peace which the world cannot give. This is my gift to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. Oui, ce sont des paroles très très belles. These are very beautiful words. Oui, c'est vraiment une très très belle promesse du Seigneur. It's a very beautiful promise from the Lord. Que nous devons vraiment entendre et accueillir. And words that we need to hear and welcome. Oui, je vous donne ma paix. I give you my peace. Je vous laisse ma paix. My peace I leave you. Cette paix que le monde ne peut pas vous donner.
That peace that the world cannot give you. Mais moi, je vous la donne. But I give it to you. Et puis il répète que votre cœur ne se trouble pas. And he repeats, let your hearts not be afraid. Mais c'est une très très belle promesse. And this is a very beautiful promise. Et je pense que de temps en temps, on a le droit de faire la chose suivante. And I think from time to time, we have the right to do this. Oui, quand j'ai beaucoup de mal à trouver la paix. That when we really have a lot of difficulty regaining peace. Mais je peux parler au Seigneur en lui disant. I can speak to the Lord and say to him. Rappelle-toi ce qui est écrit. Just remember. J'ai besoin de cette paix, Seigneur. And I need that peace, Lord. Je te la demande vraiment. And I'm asking you to give it to me. C'est pas moi qui peux la fabriquer tout seul. It's not something that I can make up myself. Mais tu l'as promise. But you promised that you would give it. Et je te la demande. And so I ask you for it. Avec foi. And I'm asking with faith. Et je pense que cette paix sera donnée peu à peu. And I think that the peace will then be given little by little. Parfois des fleuves de paix. Sometimes it will be rivers of peace. Parfois des petites gouttes, voyez. Sometimes little drops. Ce qui est nécessaire. It will be according to what is necessary. Aujourd'hui. For today. Et une chose qui est intéressante dans la liturgie eucharistique. Something else that's interesting in the Eucharistic liturgy. C'est qu'il y a donc cette prière pour la paix pour notre Père. Is that as well as that prayer for peace after the Our Father? Et puis l'échange de la paix entre nous. Oui. And then that exchange of peace amongst us. Et c'est pas simplement hello. Oui. It's not simply shake somebody's hand to say hi. Mais c'est beaucoup plus profond, vous voyez. But it's a lot more deep. Oui, tous ensemble. All together. Et recevoir la paix de Dieu. We receive the peace of God. Oui, et la partager les uns avec les autres. And we share it amongst ourselves, amongst one another. Et dans le texte de la liturgie, and in the liturgical text, on trouve sept fois le mot paix. We can find the word peace seven times. Après notre Père. After the Our Father. Et je crois que c'est pour nous comme un petit clin d'œil. And for us, I think this is something to be attentive to. Pour nous rappeler aussi l'importance de l'Eucharistie. It reminds us of the importance of the Eucharist. Pour recevoir la paix de Dieu. In order that we receive the peace of God. Et l'Eucharistie est un mystère extrêmement riche. The Eucharist is a mystery that is extremely rich. Et je crois qu'il y a un aspect très très beau dans l'Eucharistie aussi. And I think that there is also a beautiful aspect to the Eucharist. Où Jésus se donne à nous. Where Jesus is giving himself to us. Pour être notre paix, voyez. In order to be our peace. Et comme s'il nous offrait son cœur. It's as if he is offering his heart to us. Sa personne. His person. Et comme un lieu pour nous reposer. As a place where we can rest. Il y a cette phrase que Jésus dit aux disciples. There's that phrase that Jesus says to his disciples. Mais venez vous reposer un peu. Come aside and rest a while. Alors ce jour-là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ce jour-là. The day he said that, it didn't really work. Parce que, vous savez, ils ont été plus loin en bateau. Because they had to go further in the boat. Chercher un endroit tranquille. To find a place where they could be alone. Et puis la foule les attendait. But when they got there, the crowd was already waiting for them. Mais je crois qu'à chaque Eucharistie. But I believe that at each Eucharist. Jésus peut nous dire mille choses. Jesus can say many things to us. Et je pense que souvent il nous dira la chose suivante. And I think that often he will say this to us. Mais viens te reposer. Come aside with me and rest a while. Je demeure dans ton cœur. I live in your heart. Je suis là le Dieu vivant. I am there as the living God. Viens te reposer en moi. Come and find rest in me. Dépose tes soucis. Lay down your worries. Dépose tes peurs. Lay down your fears. Dépose ton inquiétude. Lay down your anxiety. Redeviens un petit enfant. Become a little child again. Pour la journée, tu dois te battre, c'est normal. All through the day you have to struggle and fight, and that is normal. Mais pendant le moment de l'Eucharistie, but during this time of the Eucharist, et surtout après la communion, and especially after communion, je crois que Jésus nous invite de manière particulière. I think that Jesus invites us in a special way. Oui, viens te reposer. Come and rest. Oui, dans mon amour. In my love. Oui, dans la paix, dans la confiance. In peace and in trust. Oui, comme un petit enfant. Like a little child. Qui s'abandonne entre les bras de son père. Who is surrendered into his father's arms. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps de prière après la communion. Oui. And this is why it's important to have a time of prayer after communion. Mais vraiment pour nous confier au Seigneur. That we can really entrust ourselves to the Lord. Nous reposer en lui. And rest in him. Oui, et trouver cette paix qu'il désire nous donner. And find that peace that he wants to give us. Puis donc, toujours dans le discours de Jésus après la scène. And still in this part of John's Gospel in the discourse after the supper. Donc à la fin du chapitre 16. At the end of chapter 16. Et c'est un peu la conclusion des paroles de Jésus. And this is
part of the conclusion of Jesus' words. Donc, vous savez qu'au chapitre 17, you know that in chapter 17, Jésus ne parle plus à ses disciples. Jesus no longer speaks to his disciples. Mais il va prier le Père. But he prays to his Father. Cette prière pour l'unité. That prayer for unity. Cette très belle prière sacerdotale de Jésus. That very beautiful priestly prayer of Jesus. Donc du chapitre 17. Which is in chapter 17. Mais donc juste avant cela, but just before this, les derniers mots que Jésus adresse à ses disciples, the last words that Jesus addresses to his disciples, donc au chapitre 16, verset 33, in chapter 16, verse 33, et on trouve de nouveau ce thème de la paix. Once again we find this theme of peace. En conclusion. In conclusion. I have told you all this so that you may find peace in me. In the world you will have hardship, but be courageous. I have conquered the world. Des paroles simples mais très belles. These are very simple words, but very beautiful ones. Puis c'est un petit peu étonnant, vous voyez. And it's a little bit astonishing. Oui, c'est comme si Jésus nous disait. It's as if Jesus was saying to us. Tout ce que je vous ai dit. Everything that I have said to you. Ah, et puis il a parlé longuement. And he had spoken at length. Bien, c'est pour que vous ayez la paix. All of this is so that you will have peace. Que vous ayez la paix en moi. That you will have peace in me. Dans le Christ. In Christ. Dans le monde, vous aurez à souffrir. In the world, you will have to suffer. Mais donc, ayez courage. But have courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Because I have conquered the world. Mais ce n'est pas extrêmement simple. These are extremely simple words, très, très profondes, but words that are so deep et très importantes pour nous, and so important for us to hear, et qu'il faut garder dans notre cœur, and we should keep these words in our heart, et les relire de temps en temps, and read them over from time to time. Moi, je pense que des petits versets comme ça, vous voyez, I think that little verses like this one, on devrait les apprendre par cœur, are verses that we should learn by heart, parce qu'ils sont tellement précieux, because they are so precious. Oui, je pense que parmi les moyens, justement, pour trouver cette paix du cœur, il n'y a pas de recette automatique dans tous les coups. Mais je vous dirai des choses qui me paraissent importantes. I'm just saying things to you that I think are important. Mais un des points qui me paraît très, très important, c'est justement ce contact avec la parole de Dieu. Is to have that contact with the word of God, mais qui a une grâce particulière. Which has a particular grace attached to it. Elle a une autorité particulière. It has a particular authority. La parole de Dieu a une autorité. The word of God has an authority. Un poids, une force. It has weight, it has strength, power. Oui, plus que les pensées humaines. Much more than human thoughts. Et parfois, on est beaucoup confus dans nos pensées, voyez. There are times when we can be very confused in our thoughts. On a des raisons de s'inquiéter. And we can have so many reasons to be anxious. Des raisons de se rassurer. We can have other reasons to try and reassure ourselves. Mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va l'emporter. But we really don't know which side is going to win. Et parfois, ce qui peut beaucoup nous aider. And sometimes something that can really help us. Bien, c'est la parole de l'Écriture. Is the words of the scriptures. Qui nous donne vraiment qui nous communique cette paix de Dieu. Which communicate that peace of God to us. Dans mon livre sur la liberté. Là, in my book about freedom, inner freedom. Non, sur pardon, la paix, la recherche. No, the book about searching for and maintaining peace. Je donne un petit témoignage personnel. Mais in that book, I give a little personal testimony. C'est une personne que j'ai rencontrée en Italie. Of a person that I met in Italy. Qui souffrait beaucoup. Who was suffering a lot. D'une dépression. Who suffered from depression. Et puis de solitude. And from solitude, et isolation. Et quand j'ai parlé avec elle. And when I spoke with her, elle m'a beaucoup, beaucoup touché. She really touched me a lot. Parce qu'elle me disait, oui, c'est vrai que je suis dans un moment difficile. Because she said to me, it's true that I'm going through a difficult time. Et mon entourage ne m'aide pas beaucoup. And the people around me don't help me very much. Mais je me rappelle sans cesse cette parole. But I remember this word all the time. Le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manque de rien. There is nothing I shall lack. Et le psaume 22, là. Psalm 22. Il faudrait tous le savoir par cœur. We all should know this psalm by heart. Et puis nous le rappeler dans certains moments. And we should remember it from time to time. Ça peut beaucoup nous aider. Because it can help us a lot. Il y a tellement de mots de l'Écriture. There are so many words from the scriptures. Oui, qui peuvent nous aider à retrouver la paix. That can help us to find peace. Et quand on risque de la perdre. When we run the risk of losing it. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
I will be with you always until the end of time. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, even if your father and your mother should abandon you, le Seigneur te recevra. The Lord will receive you. Je ne suis pas venu pour les justes. I have not come for the righteous. Je suis venu pour les pécheurs. I have come for sinners. Oui, et même si tes péchés étaient noirs comme le charbon, même si tes péchés étaient rouges comme l'écarlate, even if your sins were as red as scarlet, ils deviendront blancs comme la neige. They will become as white as snow. Il y a tellement de paroles comme ça. There are so many words like this. Pour nous encourager. They're there to encourage us. Pour nous aider à accueillir l'amour de Dieu. Et and to help us to receive and welcome the love of God. Rester dans la confiance et dans la paix. And to remain in trust and in peace. Alors, je ne veux pas citer d'autres paroles de l'Écriture. I don't want to quote too many more words of the Scriptures. Il y a un très beau passage que vous pourrez lire par vous-même si vous voulez. There is another beautiful passage that you can read yourselves if you wish. Dans la lettre aux Philippiens. In the letter to the Philippians. C'est au chapitre 4. So it's Philippians chapter 4. Je ne sais plus très bien quel verset. Mais où Paul dit la chose suivante. It's where Saint Paul says this. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. The peace of God that is beyond all understanding. Il gardera vos cœurs et vos esprits. Will keep your hearts and your minds. Oui, dans le Christ. In Christ. Il y a beaucoup de belles promesses comme ça. There are so many beautiful promises like this. Sur lesquelles nous devons nous appuyer. That we should rely on. Je crois que la première chose qui nous permet de retrouver la paix ou de la garder en nous. I think the first thing that should help us to regain peace and to keep that peace in us. Oui, c'est vraiment la foi. Is truly our faith. Cette foi dans la promesse de Dieu. Our faith in the word of God. Nous appuyer non pas simplement sur nos sentiments, nos émotions, and so we're not relying just on our feelings and our emotions, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. But we are relying on the word of God. Mais nous appuyer sur ce que dit l'Écriture. We are relying on what the scriptures say to us. Et c'est vraiment une force dans notre vie. And this is a real strength for our life. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est donner un petit peu quelques points qui paraissent importants. So what I would like to do now is to just give a few points that I think are important. Oui, pour accueillir cette paix de Dieu. To be able to welcome that peace of God. Oui, pour qu'elle s'approfondisse en nous. That it should deepen within us. Oui, pour la retrouver quand nous vivons des moments parfois plus difficiles. And how we can find it again if we are going through a difficult moment. Oui, parce que cette paix, donc, c'est un don de Dieu, comme je viens de le dire. So as I have just said, that peace is a gift from God. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons protéger en nous. Also something that we should protect in us. Alors on n'y arrive pas toujours parfaitement. It's not always possible to do this in a perfect way. Faut pas se décourager. But we shouldn't be discouraged by that. Mais quand même les choses que nous pouvons faire. However, the things that we can do. Dans cette bonne direction. To go in that good direction. C'est important de les faire. That it is important that we do. Alors je vais vous dire un peu des points qui me paraissent importants. So these are the points that I think are important. Oui, pour accueillir cette paix de Dieu. In order to receive that peace of God. Oui, la première chose. The first thing. Oui, c'est d'être vraiment ouvert à Dieu. Voyez. Is that we be truly open to God. Oui. Peut-être que je suis pas une personne parfaite. Perhaps I am not a person who is perfect. Mais je veux faire la volonté de Dieu. But I want to do the will of God. Je veux suivre le Seigneur. I want to follow the Lord. Et plus nous désirons être fidèles à Dieu. And the more we desire to be faithful to God, et plus on est ouvert à Dieu, the more we are open to God, à sa volonté, à son appel, to his will and to his call, plus nous serons en paix. Then the more we will be in peace. Au contraire, si je refuse à Dieu certaines choses, on the contrary, if I refuse certain things to God, si je me ferme à Dieu, or if I close myself off from de manière volontaire, in a way that is willful, je ne pourrais pas être dans une paix totale. Then it is not possible that I be in a perfect peace, a total peace. Oui, plus nous sommes dans la volonté de Dieu, the more we are in God's will, plus nous serons en paix. The more we will be in peace. Alors parfois, il faut du temps pour la comprendre. Sometimes it takes us a certain time to be able to understand this. Ce qui est tout à fait normal. Oui. And this is normal. Oui, mais plus nous sommes ouverts à la volonté de Dieu, but the more open we are to the will of God, plus nous serons en paix. Then the more we will be at peace. Une deuxième chose qui est très très importante. Another thing that is very important. Je dirais c'est la prière. I would say is prayer. Oui, où est-ce qu'on peut vraiment trouver la paix? Where can we truly find peace? On la trouvera pas toujours devant la télévision. We won't always find it sitting in front of the television. Parfois devant certaines belles émissions, mais sometimes, perhaps, if we're watching something good, mais pas toujours. But not always. Je connais des personnes qui regardent plus les nouvelles. Hein? Je connais des personnes qui regardent plus les nouvelles.
And it is called non, je connais des personnes qui ne regardent plus les nouvelles. We, I know people who no longer watch the news. Alors, mais il y a un endroit où on pourra toujours trouver la paix. But there is a place where we can always find peace. Et c'est devant le Saint-Sacrement. And that is before the Blessed Sacrament. Oui, à genoux. On our knees. Enfin, on peut être assis hein, parfois, je dis pas. Sometimes we can be seated as well. Je dirais dans l'humilité devant Dieu. But in humility before God. Et dans la confiance. Oui. And in trust. Oui, la prière est quelque chose de très très beau. Oui. The prayer is very important. Oui, parfois elle est pauvre. Oui. Sometimes our prayer is very beautiful and sometimes it is very poor. Oui, enfin, on n'a pas toujours des grandes émotions. Hein. We don't always feel great emotions. Même des grandes lumières. We don't always receive great light. Mais c'est pas grave, vous voyez. But this is not important. Oui, parce que dès que je suis en prière, because as soon as I am in prayer, dans une attitude de foi, in an attitude of faith, dans une attitude d'ouverture à Dieu, in an attitude of openness to God, oui, dans la confiance, in trust, oui, dans un vrai désir de l'aimer, with a real desire to love God, oui, bien, on est en contact avec le Seigneur. Then we are in contact with the Lord. Et de manière mystérieuse, and in a mysterious way, la paix de Dieu descend. The peace of God comes down into us. Même si ma prière est pauvre. Even if my prayer seems poor. Mais que simplement j'accueille la présence de Dieu. And if simply I receive the presence of God. Oui, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, enfin. For 10 minutes, 15 minutes, bien, half an hour. Mais peu à peu la paix revient. Little by little, peace will come back to me. On a tous fait cette expérience. I'm sure we have all had that experience. Parfois on a beaucoup de soucis. There are times when we've had many anxieties. Puis on va dire un chapelet tranquillement. And so perhaps we just go and pray a rosary. On prend une heure d'adoration. Or take an hour of adoration. Alors, on n'a pas forcément des extases. We don't necessarily have an experience of entering into ecstasy. Mais au bout de ce temps. But at the end of that time. Mon cœur est plus paisible. My heart is more peaceful. La situation est la même. The situation is perhaps the same. Mais mon cœur a changé. But my heart has changed. Et il est plus tranquille. It is more still. Il y a un beau texte de Saint Bernard qui dit la chose suivante. There is a beautiful text from the writings of Saint Bernard. Deus tranquillus tranquillat omnia. Say that again. Pour ceux qui font du latin. Those who speak Latin. Le Dieu tranquille. The God who is still. Tranquillise toute chose. God who is tranquil tranquillizes everything. Probably not a good chance. C'est joli en latin. Dieu est le Dieu de la paix. God is the God of peace. Et en Dieu, il y a une puissance incroyable. In God, there is an incredible power. Mais il y a une paix très profonde. But there is also an incredibly deep peace. Dieu est un océan de paix. God is an ocean of peace. Si je me tiens à la présence de Dieu, and if I am there in the presence of God, et ouvert, and open, confiant, trusting, eh bien, cette paix se donne à moi. Then that peace is given to me, peu à peu, little by little. Et c'est un très beau mystère. And this is a very beautiful mystery. Alors, une autre chose qui est très importante aussi, and something else that is also very important, c'est nos actes de foi, is our acts of faith, nos actes de confiance, our acts of trust. Et face à un moment difficile, when we're faced with a difficult moment, quand nos pensées nous tourmentent, when our thoughts are tormenting us, on ne peut pas toujours s'en libérer. We're not always able to get rid of those thoughts. Parfois, il faut beaucoup de temps. Sometimes this takes a lot of time. Mais il faut poser des petits actes de foi. But it's then that we should make little acts of faith. Je te fais confiance, Seigneur. Lord, I trust in you. Je suis dans ta main. I am in your hand. Je sais que tu es mon Père. I know that you are my Father. Je m'abandonne à toi. I surrender myself to non, you. C'est pas la baguette magique, vous voyez. It's not a magic wand. Mais ça garde en nous cet espace, vous voyez. But it maintains that little space within us. Oui, de paix, de confiance. That space of peace and of trust. Et puis si nous pratiquons cela, and if we put this into practice, je dirais l'Esprit Saint vient à notre aide. I would say that the Holy Spirit comes to help us. Il nous permet de retrouver cette paix dont nous avons besoin. And enables us to find that peace again that we need. Bon, une chose qui est importante aussi, another thing that is important, c'est un aspect de la foi tout simplement. Is another aspect of peace, quite simply. C'est d'accepter le réel. That is that we accept reality. Ma réalité. My reality. Qui je suis. Who I am. Ma situation. My situation. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite. Perhaps it is not perfect. Mais je l'accepte telle qu'elle est. But I accept it as it is. Ne pas fuir dans le rêve.
That we try not to escape into a dream world. Refuser la réalité. And refuse that reality. Ne pas m'accepter comme je suis, par exemple. For example, to not accept myself as I am. Ce qui est très fréquent. Which is something that happens so often. Accepter le réel. But accept reality. Qui je suis. Who I am. Ce que sont les autres. Who the others are. Et ce qu'est ma réalité aujourd'hui. Oui. That which is my reality today. Je l'accueille. I welcome it, I receive it. Et je crois que Dieu est présent là. And I believe that God is present there. C'est aussi un aspect important. This is also an important aspect. Je dirais il y a aussi autre chose qui est une petite clé pour. There's also something else that is like a little key to be able to gain, regain peace. Oui, je dirais c'est l'humilité. And I would say humility. Je pense qu'un des ennemis de la paix. One of the enemies of peace. Mais c'est parfois notre orgueil. Is sometimes our pride. Oui, on voudrait tout réussir. We want to succeed in everything. On voudrait être absolument parfait. We want to be absolutely perfect. On voudrait être admiré par les autres. We want to be admired by others. Ne jamais faire la moindre erreur. Mais... We don't want to make the slightest mistake. Alors bien sûr, nous devons progresser dans le bien. Of course, we should progress and be able to do good. Mais nous devons aussi accepter nos limites, voyez. But we should also accept our limitations. Quand nous en faisons l'expérience. When we experience them. Et avec simplicité. And with simplicity. Et avec humilité. And with humility. Reconnaître mes erreurs. Recognize our mistakes. Ne jamais en faire un drame. Never make a drama out of them. Accepter parfois certaines humiliations. And sometimes accept certain humiliations. C'est la réalité qu'on accepte, tout simplement. Because in this it's reality that we are accepting, quite simply. Et avoir toujours une absolute confiance. But we should always have an absolute trust. Dans l'amour de Dieu. In God's love. Qui est infiniment plus grand que mes erreurs. Which is infinitely greater than my mistakes. Toujours en confiance dans la miséricorde. De Dieu, we should always have trust in the mercy of God, qui est infiniment plus grande. Which is infinitely greater. Donc, je dois reconnaître mes fautes. I should recognize my faults. Je dois me confesser. I should confess them. Mais je ne dois pas me tourmenter. But I should not torment myself. Et à cause de mes fragilités. That because of my weaknesses. De mes limites. And of my limitations. Je dois les reconnaître humblement. I should simply humbly recognize them. Et c'est source de paix. And this is a source of peace. Un autre point, c'est peut-être le dernier. Another point, and perhaps this is the last. Qui me paraît important aussi pour garder cette paix. Which also seems important to me in maintaining that peace. Je crois que c'est vivre l'instant présent. Oui. That is that we should live in the present moment. Oui. Vivre un jour après l'autre. That we should live one day after another, after the other. Oui, faire aujourd'hui ce que j'ai à vivre. Oui. To do today what I have to. Ne pas me tourmenter par rapport au passé. To not torment myself about my past. Le remettre à la miséricorde de Dieu. Simply to hand it over to God's mercy. Et puis non plus ne pas me tourmenter pour mon avenir non plus. Neither should I torment myself about my future. Oui, confier mon avenir à Dieu. But I should simply entrust my future to God. Cette confiance dans la providence. And with trust in God's providence. Oui, dont Jésus parle tellement dans l'Évangile. And Jesus speaks about this so much in the Gospels. Oui, ne vous inquiétez pas pour demain. Do not be anxious for tomorrow. Oui, cherchez le royaume de Dieu. Seek the kingdom of God. Autrement dit, vis aujourd'hui de manière juste. In other words, live today in the right way. Selon l'Évangile. According to the Gospel. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Do what you have to do today. Dans la confiance. In trust. Et en t'appuyant sur Dieu. Relying on God. En mettant toute ta bonne volonté. And putting all of your goodwill into it. Mais ne cherche pas à résoudre tous les problèmes de ta vie. But don't try to resolve all the problems of your life. Fais aujourd'hui ce qui t'est demandé. Do today just what is asked of you. Remets ton passé à la miséricorde de Dieu. Entrust your past to the mercy of God. Et confie ton futur à la providence de Dieu. Entrust your future to God's providence. Ne te tourmente pas. Do not be tormented. Mais Dieu sera fidèle. God will be faithful. Il saura te donner ce dont tu as besoin au moment voulu. And he will give you what you need at the right time. Donc je crois que c'est aussi quelque chose d'important. I think that this is also something that is important. Oui, alors toutes ces petites choses que je vous dis. So all these little things that I've said to you. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. I think that this is the way that we need to move forward. Alors je le répète. And so I repeat. On ne sera pas toujours dans une paix parfaite. We will never be in a state of perfect peace. Bon, parfois ça peut arriver, des moments de grâce.
Sometimes it can happen that there are moments of grace. Bon, il y a des moments, ça sera plus difficile. But there are moments too when it will be more difficult. Bon, mais c'est normal, c'est la vie. This is normal. That's life. Puis, mais les petits efforts dont j'ai parlé, vous voyez. But those little efforts that I've spoken about. Oui, de fidélité à la prière. Of faithfulness to prayer. De s'appuyer sur la parole de Dieu. Bon. Relying on the word of God. Etc. 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 Et nos actes de foi, de confiance. Our acts of faith and of trust. Mais ils nous permettent jour après jour. These allow us day after day. De nous ouvrir. To open ourselves à ce don de Dieu, to this gift of God, qui s'approfondit dans notre cœur, which is deepened in our heart, qui ne sera jamais absolument parfait, without ever being absolutely perfect, parce que nous sommes des êtres humains. Because we are human beings. Mais je pense que si nous marchons dans cette direction, but I think that if we walk in that direction, ça peut être très très fécond. This can be something that bears a lot of fruit. Parce que nous serons beaucoup plus ouverts à la grâce de Dieu. Because we will be much more open to the grace of God. Et Dieu agira à travers nous. And God will be able to act through us. Et je crois que c'est ça finalement qui est important. And I think in the end, this is what is important. Ça peut être une manière d'ouvrir notre vie à la présence et à l'action de Dieu. It's a way of opening up our life to the presence and the action of God. Et Dieu est fidèle. And God is faithful. Si moi je fais les petits efforts que je dois faire, if I make those little efforts that I have to make, et Dieu fera un grand travail dans ma vie. Then God will accomplish a great work in my life. Un travail magnifique. A magnificent work. Et parce que Dieu est miséricordieux. Because God is merciful. Et parce qu'il est fidèle. And because he is faithful. Et parce qu'il est puissant dans son amour. And because he is powerful in his love. Que quand vraiment on se remet à lui. And when we truly entrust ourselves to him. Puis on expérimente la fidélité de Dieu. Then we experience that faithfulness of God. On a des moments de combat, bien sûr, ça fait partie de la vie, c'est normal. We go through times of struggle. In our life, and this is normal. Mais nous faisons l'expérience de la fidélité de Dieu. But we can have that experience of God's faithfulness. Combien son amour peut porter du fruit dans notre vie. And just how much his love can bear fruit in our life. Mais quand on s'ouvre à son amour. When we are open to his love. Et donc ce travail intérieur de. And so that interior work. De protéger cette paix en nous. Of protecting that word of God in us. Cet espace de that paix. That peace in us and that space of peace. Eh bien, il nous ouvre à l'amour de Dieu. This opens us up to God's love. Il nous permet de grandir dans la charité. And enables us to grow in charity. Et de porter du fruit. And to bear fruit. Et donc c'est un très beau mystère. And this is a very beautiful mystery. Voilà, je vais m'arrêter là. But I will stop there. Prendre un petit moment pour des questions, si vous voulez bien. We can take a little time for if there are any questions. During the time when we feel the most deep in our suffering and in our pain and in our anxiety, what advice do you have for when we're feeling so distant from God? What advice do you have to on peut pas toujours sentir la proximité de Dieu. We can't always feel the closeness of God. Alors moi je crois que ce qu'il faut faire. I think that what we have to do c'est poser des actes de foi. Is make acts of faith. Nous remettre dans une attitude de confiance. Bring ourselves back into an attitude of trust. À travers les choses que j'ai dit. Through those things that I've mentioned. Bon, simplement un acte de confiance. Simply making an act of trust. Ou un temps de prière si j'en ai besoin. Or taking a time of prayer if I need that. Ou me rappeler le tel passage de l'Écriture. Or reminding myself of different passages from the Scriptures. Donc, c'est ça qu'il faut faire. This is what we have to do. Et je pense que peu à peu, alors. And I think that little by little. C'est pas toujours automatique. Because it's not always automatic. C'est pas toujours en 30 secondes. It's not always in 30 seconds that we can do that. Mais si je me remets dans cette attitude de confiance. But if I bring myself back to that attitude of trust. Peu à peu, la paix reviendra. Little by little, that peace comes back. Alors,
Alors, ce qui est parfois aussi utile, j'en ai pas parlé. And what is sometimes also useful, and I didn't really speak about this. C'est de s'ouvrir à quelqu'un. Is that we go to open our heart to somebody, that we speak to somebody. Si j'ai un combat un peu douloureux. If I'm going through a battle that is very painful. On a parfois besoin d'en parler. Sometimes we need to speak with somebody about it. Peut-être pas à la coiffeuse. Perhaps not the hairdresser. Because not everybody needs to know everything. Mais quelqu'un qui peut m'aider, vous voyez. But somebody who really can help me. Il y a un père spirituel. A spiritual director. Une personne qui a une certaine maturité qui peut m'aider. Or somebody who has a certain maturity who will be able to help me. Parfois, c'est aussi une certaine forme d'orgueil. And sometimes there's a certain form of pride. On veut garder nos problèmes. Where we want to keep our problems to ourselves. Et on n'a pas cette humilité. And we don't have that humility. De reconnaître que j'ai besoin d'aide. To recognize that we need help. J'ai besoin d'y voir clair. We need to be able to see clearly. Et parfois c'est nécessaire de parler avec quelqu'un. And for this, it's sometimes necessary to speak with somebody. Et prétendre s'en sortir tout seul. To imagine that we can get through something all by ourselves. C'est une forme d'orgueil. This can be a form of pride. Et c'est un des grands ennemis de la paix intérieure. And this is one of the great enemies of interior peace. How should we understand the particular kind of anxiety that comes from feeling that we're not able to do things that God has asked us to do? That on the one hand, we feel that God wants us to do something, and we're trying to succeed at it. And on the other hand, we feel like we're unable to do it, and it produces a feeling of anxiety. Moi, je pense que quand Dieu demande quelque chose, I think that when God asks something of us, ça peut éveiller une certaine peur. This can a certain anxiety can rise up in us. J'en serais pas capable. And we think we're not capable of doing it. Oui, mais je pense que si Dieu me demande quelque chose, but if God asks something of us, oui, Dieu est fidèle. God is faithful. Et il me donnera la grâce. And he will give me the grace for it. Oui, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. We should never doubt God's love. Et de sa fidélité. And his faithfulness. Alors, je crois qu'à partir du moment où c'est vraiment Dieu qui me demande quelque chose, I think that from that moment where it's really God who is asking us something, ben, il faut y aller, il ne faut pas écouter nos peurs. Then we should go for it, we shouldn't listen to our fears. Il faut faire confiance à Dieu. And we should trust in God. Mais ceci dit, il faut quand même discerner. But having said this, we really do need to discern. Est-ce que c'est vraiment cela que Dieu me demande? Is this really what God is asking of me? Parce que parfois il y a un véritable appel de Dieu. Because sometimes there is a true calling from God. Parfois c'est des choses qu'on a imaginées. And other times it's something that we have imagined. Quand il s'agit d'une décision importante, so when it's with regard to an important decision, il faut prendre un temps de discernement. Then we need to take a time of discernment. Parfois nous faire aider pour voir est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu. And perhaps ask somebody to help us to discern if this is truly the will of God. Justement, un des signes, vous voyez, qu'une vocation, par exemple. Take the example of a vocation. Oui, parfois Dieu appelle quelqu'un. God can call somebody to something. Et parfois la personne a peur. And sometimes the person is afraid. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. This is what happened for Moses. Donc, mais bon, une fois qu'on a vraiment accueilli l'appel de Dieu. But once we have truly welcomed God's call. Une fois qu'on a dit oui tout son cœur. And at that moment when we say yes with all our heart. Bien, une paix nous est donnée. Then a peace is given to us. Alors, on peut avoir quelques petites inquiétudes humaines. There can be a few little human anxieties. Mais quand même dans son cœur, on sent une paix. But in our heart we feel peace. Et ça c'est justement un signe. And this is a sign. Oui, que c'est bien la volonté de Dieu. That this is the will of God. Et quand nous disons oui à l'appel de Dieu. But when we say yes to the will of God. Oui, ça nous met dans la paix. When we say yes to the will of God, that brings us. Puts us in a state of peace. Peut-être pas de manière immédiate. And perhaps not in an immediate way. Parce qu'il peut y avoir un temps de résistance, de combat. Because there may be a time when we're resisting or there's a certain struggle. Avant de dire oui. Before we say yes. Mais une fois qu'on a dit oui. But once we have said yes. Et on reçoit une paix. We receive peace. Et c'est un signe. And this is a sign. On est bien dans la volonté de Dieu. That we are doing the will of God.
Par contre, si je prends une décision, voyez, however, if I make, on the other hand, if I make a decision, je pense que c'est peut-être la volonté de Dieu. I think that something is perhaps the will of God. Mais ça me met pas en paix. But it doesn't bring me peace. Là, il faut réfléchir. Then we have to think about it. Il faut discerner. We have to discern davantage. More. Mon expérience, c'est ce que je vous ai raconté. My experience is what I've really just said to you. À travers ce que j'ai dit. Through what I've said tonight. Alors, dans ma vie, j'ai eu des moments de souffrance. In my life, I've been through moments of suffering. J'ai eu des moments de combat. I've had moments of struggle. De tempête intérieure. Of an interior storm. Je n'ai pas été toujours dans une paix parfaite. I have not always been in a state of perfect peace. Mais j'ai compris peu à peu. But little by little, I came to understand. Qu'est-ce qui pouvait m'aider justement? Those things that were able to help me. Ce que j'ai partagé avec vous. And this is what I've shared with you tonight. Puis parce que j'ai compris aussi. And also what I've understood. C'est que cette paix est précieuse, voyez. Is that this peace is something precious. Et que trop souvent pour des raisons secondaires. And that too often for reasons that are quite secondary. Nous perdons la paix. We lose that peace. Et nous avons tort. And we are not right to do so. Mais on s'inquiète trop pour certaines choses. We are too anxious for certain things. Je crois qu'aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie spirituelle, and I think also as we advance in our spiritual life, on est plus libre. We become more free. Certaines choses qui nous préoccupaient beaucoup à une époque de notre vie. There may be things that really preoccupied us a lot at a certain time in our life. Par exemple, qu'est-ce que les autres pensent de nous? In other words, what are other people thinking about me? À certains moments, on devient beaucoup plus indifférent. But at a certain time of our life, we become more indifferent to such things. Alors, c'est un combat qui ne sera jamais terminé. So this is a struggle that will never really be ended. On ne sera jamais dans une paix totale et continue. We will never be in a state of perfect peace that becomes permanent. Mais on peut progresser quand même. But we can progress. Et être plus libre intérieurement. And become more free interiorly. Puis c'est vrai que dans la vie spirituelle. It's true that in the spiritual life. Il y a parfois des moments où on perd la paix. There can be moments when we lose peace. Un peu de notre faute. By our own fault. On s'inquiète trop pour les choses qui n'en valent pas la peine. Because we can be worried about things that really aren't worth it. Oui. Bon, mais il y a aussi d'autres moments dans la vie spirituelle. But there are also other moments in the spiritual life. Nous vivons un certain combat. When we experience a certain battle. Ça, on le voit dans la vie des saints aussi. And we can see this also in the lives of the saints. Mais en même temps, malgré ces combats, at the same time, despite these struggles, je crois qu'on peut garder en nous un espace. I think we can keep within us a space. Oui, de paix et de liberté. Of peace and freedom. On peut vivre des choses difficiles au plan humain. We can be going through things that are difficult on a human level. Et ça sera toujours un peu douloureux pour nous. And this is something that will always be somewhat painful for us. Mais grâce à l'expérience qu'on a de Dieu. But thanks to our experience of God. Puis une certaine expérience du combat spirituel aussi. And also a certain experience of that spiritual warfare, that spiritual struggle. Ben on apprend davantage justement. Then we come to, we learn more. À s'abandonner à Dieu. About how we can surrender ourselves to God. En toutes circonstances. In every circumstance. Et donc rester plus paisible. And in this we remain more peaceful. Dans la partie profonde de notre cœur. In the deepest part of our heart. Ouais, c'est ça que je dirais. That's what I would say. So say we find a pretty good place of peace, and we want to spread that peace to people around us. So we're on a college campus that isn't completely Catholic, or even some people are not even spiritual at all. How might we then try to give them peace or show them how to find peace if they're not even, say, spiritual at all? Moi, je pense que la première chose, I think that the first thing, c'est de la vivre, de l'accueillir. Is that we live it ourselves, that we welcome it. Oui, je pense que s'il y a dans mon cœur cette présence du Seigneur, I think that if there is the presence of the Lord in my own heart, cette confiance, cette paix, there is that trust and that peace, cette vie selon l'Évangile, that life according to the gospel, cette humilité aussi,
also that humility, un peu tout ce que j'ai décrit, all those things that I've described, je dirais de manière automatique, I would say that in a way that is almost automatic, il y a quelque chose qui va se communiquer. There is something that will be communicated. Mais moi j'aime beaucoup l'image de Saint Paul. I like that image of Saint Paul very much. Il dit vous êtes le parfum du Christ. Where he says you are the good perfume of Christ. Donc il y a quelque chose qui se communique tout seul. There is something that is just communicated all on its own. Que certains vont accueillir. That some will welcome. Que d'autres pas. And others not. Oui, Jésus quand il envoie les disciples en leur mission. When Jesus sent his disciples out on mission. Il dit quand vous entrez dans cette maison. He says that when you go into a house. Il dit dites paix à cette maison. Say peace be to this home. Alors parfois la paix sera accueillie. And sometimes that peace will be welcomed. Mais Jésus dit si vous n'êtes pas accueilli. But Jesus says that if you are not welcomed. Il dit une chose un peu étrange. He says something a little bit strange. Il dit cette paix reviendra vers vous. He says that peace will then come back to you. Autrement dit vous resterez en paix. Oui. In other words, you will be able to remain in peace. Que vous soyez accueilli ou pas. Whether you be welcomed or not. Bon, faites ce que vous pouvez. But do what you can. Alors parfois la seule chose qu'on peut faire. And sometimes what we can do. C'est d'être nous-mêmes. Is to be ourselves. De prier. To pray. Et puis laisser Dieu agir. And then just allow God to act. Alors parfois on peut faire davantage. Voyez. But there are also times when we can do more. Je rencontre quelqu'un qui a des grandes inquiétudes. Perhaps I meet someone who has a lot of anxieties. Des souffrances, des soucis. Or is going through times of suffering or with concerns. Et parfois on peut aider quelqu'un. Voyez. And there are times when we can actually help someone. Donner une parole d'encouragement. Perhaps by giving a word of encouragement. L'inviter à la prière. Perhaps inviting them to come for a time of prayer. Oui, enfin l'inviter à pratiquer un petit peu les choses que j'ai dites. Or inviting them to practice those things that I've spoken about. Alors parfois, effectivement, on pourra témoigner, transmettre quelque chose. So perhaps there are times when we can effectively transmit something. Il faut le désirer, voyez. And we should desire this. Je crois que c'est vrai que souvent on voit des personnes qui portent beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Et very often we see people who are carrying around with them a lot of anxieties. Quand on peut les encourager et les consoler. And when we are able to encourage them and give them comfort. C'est une grande grâce. This is a grace. C'est un beau cadeau qu'on peut faire aux autres. And it's a beautiful gift that we can give to others. Alors parfois c'est possible. And there are times when this is possible. Parfois on n'arrive pas. There are other times when it isn't. Parce que la personne n'est pas ouverte. Either because the other person is not open to it. Puis j'ai pas toujours la grâce pour aider tout le monde. And I don't always have the grace of being able to help everybody. Faut accepter nos limites parfois aussi. And there are times when we have to accept our own limitations. Donc je dirais recevons nous-mêmes cette paix de Dieu personnellement. But I would say that we should receive that peace of God personally ourselves. Et puis faisons ce qui est possible. And then do what is possible. Ce qui compte d'abord, c'est notre manière. Ce qui compte d'abord, c'est pas nos paroles. What counts first of all, most of all, is not the words we speak. C'est notre manière d'être. It's our way of being. De porter une confiance, une certaine liberté. The way we live out that trust and that freedom. Et puis faisons ce que nous pouvons. And doing what we can do. Yes, thank you, Father, for sharing your time and your words. I have a question about today in the modern times. It's ever increasingly, faced with increasing levels of technology, distractions, whether it's the television and instantaneous news cycle, social media, and coming seemingly from all directions, and easily where we can be easily distracted. And I would like to ask if you could share your thoughts and any observations on how to maintain a peace with this increasingly sensory overload. Je crois que c'est justement ça le défi. I think this is precisely the challenge we are faced with. Il faut accepter le monde qui est le nôtre. We have to accept our world as it is. Il faut pas rêver d'un autre monde. We can't just dream of another world. Donc, il faut accepter le réel qui est le nôtre. We have to accept that reality that is ours. Et puis faire confiance à Dieu. And then trust in God. Moi, je dirais c'est justement parce que le monde est difficile. And I think it is precisely because the world is difficult. Et que nous devons être en paix. That we must be in peace. Pour pas tomber dans la peur. In order to not fall into the trap of fear. Et pour trouver des bonnes réponses. And in order to also be able to find the right responses. Mais il faut se rappeler la parole de Jésus. We have to remember the words of Jesus. Dans le monde, vous aurez à souffrir.
In the world, you will have hardship. Mais soyez en paix. But be at peace. Parce que j'ai vaincu le monde. Because I have conquered the world. Nous croyons à la victoire du Christ. And we believe in the victory of Christ. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par le monde d'aujourd'hui. So I say we shouldn't be allow ourselves to be overcome by the world today. Oui, la vie des apôtres à Rome, c'était pas plus confortable. The world that the apostles lived in Rome was not much more comfortable than ours today. Ils étaient beaucoup moins nombreux que nous. They were a lot less numerous than we are. La société était bien plus difficile. Society was much more difficult. Ah, ils n'ont pas eu peur. They were not afraid. N'ayez pas peur. Do not be afraid. Alors, il faut être humble, petit, voyez. We need to be humble and little. Et avoir une absolue confiance en Dieu. And to have an absolute trust in God. Et puis faire ce que nous pouvons. Voyez. And then do what we can. Oui, là où je suis. There where I am. Mais je ne peux pas changer le monde entier. I cannot change the entire world. Mais je peux me changer moi-même. But I can change myself. Et là où je suis. And there where I am. Je peux communiquer quelque chose. I can communicate something. Lumière. A light. Miséricorde. Mercy. Tendresse. Tenderness. Douceur. Gentleness. Paix. Peace. Même si le monde est mauvais, even if the world is bad, je peux faire le bien. I can do good. C'est ça qui est important. And this is what is important. C'est pas de regarder tout ce qui est pas mal dans le monde. It's not about looking at what all those things that are not going well in the world. Mais à ma place, but in, at my place, faire le bien qui dépend de moi. Do the good that depends on me. Alors ça paraît une toute petite goutte. This may seem like a tiny little drop. Mais c'est cette goutte-là, oui, but it is that little drop qui un jour deviendra un fleuve. That one day will become a river. Donc acceptons notre condition d'homme moderne. Let's us simply accept our condition as modern men and women. Et vivons l'évangile. And live the gospel. Là où Dieu nous a placés. There where God has planted us. Soyons fidèles à la prière. Let's be faithful to prayer. Soyons dans la joie et dans l'espérance. Let us be in joy and in hope. Et puis faisons jour après jour ce que Dieu nous demande. And day after day, do what God asks of us. D'étudier si je suis étudiant. If I'm a student, that I study. Etc. Etc. Donc. Il y en a peut-être qui ont profité de l'enseignement pour faire des progrès en français. Perhaps there are some people here who have made good use of this evening to advance in their knowledge of the French language. Je ne sais pas si je vous ai fait progresser en spiritualité. I don't know if I've helped you to progress in spirituality. Mais peut-être en français. But at least hopefully in French. Bon, il ne faut pas avoir peur. We shouldn't be afraid. Jean-Paul II l'a dit tellement souvent. Saint John Paul II said this so often. Et Jésus encore plus. And Jesus even more often. Bon, je ne dis pas que tout sera facile. I don't say that everything should be easy. Mais rien ne peut nous séparer de Jésus. But nothing can separate us from Jesus. Donc moi je crois que peut-être notre principale responsabilité, I think that perhaps our main responsibility, c'est de nous attacher à Jésus. Is to be attached to Jesus. Et de toute notre confiance, with all our trust, de notre foi, de notre amour. With our faith, with our love. Je crois que quand on est attaché à Dieu, and I think that when we are attached to God, qu'est-ce qui peut nous arriver? What can happen to us? Mais vous avez tous entendu parler de ce prêtre qui a été tué en France. You've all perhaps heard about that priest who was killed in France. Par deux jeunes terroristes. By two young terrorists. C'est intéressant parce que quelques semaines après. It's very interesting because a few weeks after that. Oui, il y a deux personnes qui étaient là. There were two people who were there. Quand ça s'est passé. Two people that were there when that happened. Qui ont donné leur témoignage. Gave their testimony. Donc le journaliste leur posait des questions. And the journalist asked them some questions. Il leur dit, mais ça a dû être terrible ce que vous avez vécu là. And he said to them, what you experienced there must have been absolutely terrible. Oui, il y avait donc le prêtre qui célébrait la messe, ce vieux prêtre. So there had been that priest, that old priest celebrating mass. Puis cinq ou six personnes. And there were just five or six other people there with him. Deux religieuses, quelques personnes âgées. Two religious and several elderly people. Donc un couple âgé. And one an elderly couple. Et donc c'est ceux-là que les journalistes interrogeaient. And it is those two that the journalists had interviewed. Alors quand ils ont eu tué le prêtre, so after they had killed the priest, ils ont attaqué cet homme.
They attacked the man, the husband. Il est tombé par terre. And he fell to the ground. Il a fait semblant d'être mort. Oui. And he actually played dead. Donc il n'a pas bougé. He didn't move. Il y avait sa femme qui était à côté. And there was his wife who was just there next to him. Qui attendait la pauvre. Oui. The poor thing, she just had to wait. Et ce que raconte l'homme est quand même très très beau. And what the husband recounts was very beautiful. Il dit ce qui était très très dur pour moi. He said the thing that was the most difficult for me. C'est qu'ils m'ont donné le téléphone. Is that they had given me a telephone. Pour filmer. And asked me to, like a mobile phone, they asked me to film the whole thing. Le moment où ils ont tué le prêtre. The moment when they killed the priest. Ils voulaient mettre ça sur Internet. Because they wanted to put it on the internet. Il dit là, c'était vraiment difficile. And he said, for me, that was the most difficult. Et puis après, quand il était par terre, and afterwards, when he was on the ground, il a dit la chose suivante. He said this. Il a dit, jamais de ma vie, he said, never in my whole life, j'ai senti une paix aussi profonde. Have I ever felt such a deep peace? Vous ne pouvez pas vous imaginer. He said, you cannot imagine. Il dit, j'étais dans une paix absolue. I was in an absolute peace. Je ne sais pas ce qui est arrivé. I don't really know what happened to him. Mais j'étais dans une paix absolue. But he said, oui. I was in an absolute peace. Je me sentais dans la main de Dieu. I felt that I was held in God's hand. Comme un enfant. Like a child. Jamais de ma vie j'ai senti une paix aussi parfaite. I've never felt a peace like that in all my life. Et ça, les journaux ne le disent pas, malheureusement. Oui. Unfortunately, the journalists don't. Enfin, non. Parfois, les journaux ne le disent pas, je ne sais pas. Non, ben, laisse tout. Mais je crois que c'est là qu'on voit, oui, que. And it's there that we can see. Là, c'est pas quelque chose d'humain, vous voyez. That this is not something that is just human. Oui, il y a la présence de l'Esprit Saint. There is the presence of the Holy Spirit. Qui est là au moment où on en a besoin. Who is there at the moment when we need him? C'est ce que Jésus l'a dit. And this is what Jesus says. Quand vous serez traîné devant les tribunaux, when they will drag you in front of the courts, ne vous inquiétez pas. Do not be anxious. L'Esprit Saint vous donnera une sagesse. The Holy Spirit will give you wisdom at that moment. À laquelle personne ne pourra s'opposer. And no one will be able to oppose you. Being with us this evening, and sister, what an incredible job translating. So thank you. I know how mentally exhausting that can be, so. Please be assured of our prayers and of the entire community, and we ask you to please keep us here at George Mason in your prayers, and please ask your community to do so as well. And please know that we are united in that prayer. So, merci, mon père. And we will, and now Father will be available to sign some books if you would like to get his autograph on the books. And we'll do that briefly, yes? Okay. On va simplement finir avec un autre père. Please, please. Le Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Lord, we want to give you thanks. Parce que tu es notre père. Because you are our Father. Et tu nous aimes d'un amour absolu. And you love us with a love that is absolute. Merci parce que nous sommes dans ta main. Thank you because we are held in your hand. Et rien ne peut nous séparer de toi. And nothing can separate us from you. Fais-nous grandir dans la foi, Seigneur. Help us, Lord, to grow in faith. Fais-nous donner ta paix. Give us your peace. Et viens nous rendre libres, Seigneur. Lord, make us free. Par rapport à toute inquiétude, à toute peur. With regard to any anxieties or fears. Que même si nous sommes des hommes fragiles, that even if we are fragile beings, puissions vraiment trouver en toi notre espérance. We truly be able to find our hope in you. Et que tu sois notre refuge. And that you would be our refuge. Que tu sois notre forteresse. You would be our fortress. Et comme tu l'as promis, Seigneur. Just as you promised, Lord. Et nous voulons te prier les uns pour les autres. We want to pray for each other. Et comme tu nous l'as enseigné. And pray together just as you taught us. Que chacun de nous reçoive ce don de la paix, Seigneur. That each one of us will receive that gift of peace. Et que ce temps de carême. And that this time of Lent. Nous fasse grandir dans cette paix. Would enable us to grow in that peace. Et voilà notre prière, Seigneur. And hear, listen to our prayer, Lord. Our Father.
You and with your spirit. Almighty and merciful God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening, good night.